En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. Il dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015 à seulement 4 $. La radio de toutes les générations. Le rivière est exact. Je suis un peu plus de temps.
Vraiment là, pour moi c'était au combat. C'est bien dur, moi. En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire Mamadou Ndala. Hope in Darkness. L'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015 à seulement 4 $.